Oui, c'est bon. Salut tout le monde, ici Vincent Studio pour toujours Dofus, enfin pas toujours, mais bon là en ce moment c'est Dofus. Toujours accompagné des mêmes par contre, ça c'est vrai. On a Jacques, Bonsoir. Imagiro et Loulou. Ouais. Bonsoir. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, Jake est vraiment au top de sa vie. C'est-à-dire que là, il a pris de l'ecstasy, mais alors une dose de dingue, Ne il est à prenez fond. pas de drogue. Il saute partout. Il a une Dis énergie pas débordante. des conneries. Non, je dis pas de conneries, c'est bon. Et puis on a notre cher Imagiro qui s'est dit qu'il allait faire la mise à jour Windows là maintenant. Voilà, on l'attend. Moi aussi je m'attends. Donc on est super content. Encore du contenu de haute qualité. Je tiens quand même à préciser que j'ai une souris Dell avec un laser rouge, mais genre le type de souris qu'on a dans les écoles, Oui. le type collège-lycée, qui fait un magnifique bruit lors du scrolling. Enfin, moi ça me va, j'aime bien. C'est le genre de bruit que j'aime bien, donc. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon, sinon on peut donner à peu près le sommaire de la soirée. Hein. On partirait sur le donjon de l'araignée et l'abracnide Ancestral. ancestral. Ouais. Où il y a plein de corbeaux dessus. J'aime bien la braquignole ancestrale. Mais oui, avant, il faut finir la quête alignement pour débloquer celle Ah, du on en était où chose. déjà des quêtes d'alignement? Et bien, la quête alignement, là, la dernière, c'est vengeance par procuration. Faut qu'on aille voir le colonel Lieno. Mais c'est lui qui va te demander de faire le donjon. Exactement. Et c'est la quête combien sur combien? 32 sur 100. D'accord. Sachant que Il par la reste du suite, t'en as deux boulot. ou trois qui sont très simples à faire. Ok. Il reste encore du boulot. Oui, beaucoup. Hein. Oui. Et alors encore, sois content, on n'a pas commencé ni Free Ghost, ni les dimensions. Là, on va en chier. Les quêtes d'alignement te demandent d'aller sur Frigost? Non. Si elle reste au continent Pas. principal, T'es si. sûr? Oui. Ah Vers bon. la fin. Vers la Hein? fin. Il te demande d'aller sur Saarache ou pas? Non. C'est Je trouve sorti trop pas. tard, je crois. Si jamais ils auraient pu faire quelques refontes de quêtes Peut-être, en mais dans plein ce cas-là, milieu. tu vas avoir juste un type ou deux, mais je pense que t'as pas de quête à faire, quoi. Bon, ben je vais à Bonta. Vers le Nous colonel. allons à Banta. Et non, on va pas voir mayonnaise. On va voir le colonel dans la taverne de la Chopombo. Tant ça arrache est sorti avant les quêtes d'alignement. Mais non, il y avait déjà en 1.29, non? Oui, Oui, les quatre alignements. avant la fin des quêtes d'alignement. D'accord. Ah, parce que c'était pas fini. Non. Et non. Et c'est pas fini. Et c'est pas Et une fini. fois qu'on aura Comme ta mise à jour. terminé. Mais si, ce serait marrant si avant on termine la centième et là ils te disent qu'il y en a 200 en fait. Non, ça serait pas marrant, non. Non, Le boulet, mais tu sais. dans ce jeu tout va par 200, les niveaux, les métiers, Pas les les quêtes familiers. Non, d'alignement pas les familiers. sont nuls, ces familiers. Aïe, aïe, aïe. Et pas les étages des songes non plus. Bonjour, je suis à l'étage 480. Ah, ton ordi Calmez-vous, vient de s'il vous s'éteindre. plaît. Timothée. Ce serait très marrant que la mise à jour soit terminée une fois que le téléchargement de Dofus sur l'ancien ordinateur soit terminé. Oh, avec la chance qu'on a, ça va être un truc du genre. Aïe, aïe, aïe. Caramba! Comme tu dis. C'est bon, il me reste moins d'un giga. Ah. Heureusement que j'ai la fibre. Mais prends ton téléphone au pire pour télécharger, t'iras plus vite, non? Non, non, là c'est bon. Moi j'ai l'impression que ma connexion est plus fluide avec le téléphone qu'avec la Ça box. dépend, ouais. Ça Mais ça dépend c'est des certain, jours. hein. Ça dépend des jours et Ouais. ça dépend de beaucoup de choses. Mais là en vocal, je me suis mis sur le réseau du téléphone parce que avec le wifi, ça rend maman. Hein. Bah oui, parce que t'es en train de télécharger en même temps, c'est normal.
je télécharge, la télé allumée, il y a ma mère qui téléphone, je fais une mise à jour Windows. Elle va te dire de raccrocher ton internet, tu vas voir. Jake, Norman, raccroche ton internet. Hmm, pourquoi Jake lance un combat? Je ne sais pas. M'occupe. Il s'occupe. Pour se réveiller. En 4-25, ça doit être des pioux, donc tu sais. Non, c'était des porcus. Ah bah bravo. Il fait les succès sans nous. Ouais. Il a volé notre recette. Enfin, moi perso, je les ai déjà fait. Putain, oh, c'est passé 30%, 60%. On va faire ça. Mais oui, je te dis, c'est très long au début et après ça part un peu tout seul, mais c'est un peu long quand même. On va faire un tour. L'ordinateur, oh, j'ai fait tous mes doppels. Waouh, ah, j'ai pas fait tous mes doppels sur le Sadi. J'ai pas fait les larves. Mais pourquoi je suis redescendu à 57? Parce que tu le mérites. Downgrade. Et tu retournes sur Windows 7. Mon ordi qui perd de la capacité des avancées. Louis, tu... Ah bah ouais, il a déverrouillé le succès pour casse. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Même moi, je l'ai pas fait, là, tu vois. Il était à côté. Ça, c'est une blague. C'est pas grave. Par contre, ouais, Louis, tu te souviens de la... De la quête Dernier Contact, ou pas du tout, où il faut tuer trois espèces de mulous. Genre une... Un mulou grand-mère chaperon rouge, un cocholou et je sais plus, un mulou enragé. Dans c'est les Landes de Cinémotes. Ouais, c'est un combat qui se fait tout seul, il est insupportable, j'en peux plus. J'arrive pas à le passer. Avec le Sadi. J'y arrive pas. Il est trop dur, je prends Bagdad. Je prends trop cher sur ce combat. Et je fais pas de dégâts. Une information importante à faire passer, c'est que vous pouvez faire des dons sur Hello Asso. Vous pouvez voir le lien en dessous le stream. Et ouais. Comme ça, vous soutenez une association très gentille qui organise des lives de qualité. Va dire ça sur mon dernier live de Néon Abyss, quoi. Et pour ceux qui ont l'abonnement Twitch Online, d'ailleurs, c'est 4,37€. C'est en attente, sinon dans une semaine, il y a ça saute, hein. Message sublime. Oui. Bon, c'est bon, c'est fait. On peut le répéter plusieurs fois. Hein. Ah, et puis non, au fait, hola, Todos. Hola, Todos. Ah. C'est une quête de la fratrie des oubliés. Ouais, c'est trop dur. Tu m'étonnes. C'est même quand t'es niveau 50, en fait, elle scale sur ton niveau et... Oui. C'est un enfer, quoi. Peu importe le niveau, c'est trop dur. Peut-être que ça sera moins dur quand je serai niveau 200, mais je me souviens l'avoir fait avec les K-Flips, là, il y a pas longtemps, j'en avais chié aussi, quoi. Ouf, 71%. Ouais. Et le combat avec le chauffeur, tu l'as réussi? Lequel? Ben c'est avant. Juste avant. Oui, ben alors c'est bon. Ah attends, comment il s'appelle? C'est la quête qui s'appelle. Je vais faire les choses. Est-ce que c'est le mort? Non, c'est dans la même quête. C'est le Mordor, non? Ça c'est une quête de Sidi, moi, de ça par contre. C'est pas la fratrie des oubliés. Ah. Bon. Dernier contact. Dépaquetage des héros. Bah c'était avant. Ah mais non, j'ai pas fait le squelette là, c'est juste après, c'est avec le Magipus là. Non, c'est juste avant les trois mulots. Ah bon? Bon, tu as sûrement raison. Bah attends, je t'envoie le lien. Non mais je regarde sur le net là et. C'est avant dernier contact après. Bah. Sur dernier contact, j'ai... Ah oui, le chauffeur maudit. Putain, oui, je suis con. Ouais, le chauffeur maudit, ça allait vite parce que bah, j'avais plein d'arbres et plein de poupées avec moi, donc ça allait. Mais depuis, j'ai changé de stuff, j'ai fait n'importe quoi et j'ai zéro invocation.
Ce serait quand même marrant que j'ai téléchargé Dofus Retro et pas Dofus 2. Si tu fais ça, par contre, ouais, non, là, je pense que j'ai le temps. Non, non, j'ai le temps de prendre la voiture, d'arriver chez lui, lui casser les dents et de revenir. Ah non, là, c'est... ça serait du foutage de gueule plus plus, là, ça serait pas normal, monsieur. Eh oui. Quoi, eh oui? Pourquoi Mystic s'y dit pas qu'on... Oui, je suis en train de chercher, je comprends pas. Je viens de voir, là, que Mystic, il a pas dit qu'on était en ligne sur Saligo. Bah alors, vilain Mystic. Ça, c'est encore la mage Windows, ça. Faut faire le travail des bots. Non, mais ça, je suis sûr que c'est la faute de la mage Windows, ça. Vilain Windows, vilain. Ah là là. Jouer. Ça y est. Attends, je viens de cliquer sur le bouton. Peut-être que dans un quart d'heure, la fenêtre va s'ouvrir. Ah, mais t'as fini ta mage Windows? Non, non, là non, je suis encore sur l'ancien ordi. Il a fini de l'installer sur l'ancien ordi. C'est voilà. Il va jouer sur l'ancien ordi pendant un moment, et à un moment donné, il va dire « Attendez, je le lance sur l'autre. » Et il pourra jouer en plein combat. En plein donjon, en plein dans un combat. Sur le boss, quoi. « Eh, salut, c'est l'araignée, attendez. » What a minute. Hein, je suis transformé en cocon. C'est bon, je suis transformé en cocon, je peux y aller. Faut qu'on se rejoigne où dans le jeu? À la taverne. À la taverne de la chope en bois. Ah bon? Non, on va pas faire le donjon de l'araignée. Mais non. Pourquoi? Ben, on sera à côté, autant prendre. Oui, si tu veux. D'accord. La chope en bois, faire l'araignée et éviter un aller-retour et donc de perdre des kamas. D'accord. Bah quand même, Louis, il faut rentabiliser la monnaie. Il n'y a pas de quête à prendre, c'est y aller directement. Est-ce que tu as la quête vengeance par procuration de lancer? Procuration de lancer? Non, vengeance par procuration, elle s'appelle la quête. Oui. Eh ben voilà, ben, tu viens à la taverne, à la chope en bois, sauf si tu as déjà parlé au type. C'est quoi ton objectif pour vengeance par procuration? Attends, du coup, je rouvre les quêtes. Pas de soucis. Descends. Salut. Salut. Allez voir le colonel Lieno. Eh ben, tu peux aller le voir, on est bien. Le colonel O'Neill. La retraite. Ouais. Mais non, mais c'est celui qui était transformé en Abrachnide dans les dernières quêtes. Enfin, ça fait un moment qu'on l'a fait, mais... Il y avait un type qu'on a pris des échelles et des trous, vous vous souvenez, dans la forêt des Abrachnides? Oui. Eh ben voilà, bah c'est le même. Et je pense qu'il a été dégoûté d'être un Abrachnide, donc il veut tous les éradiquer de la planète. C'est ça. Bientôt, il nous donnera une quête, c'est aller tuer Shenmue, c'est un connard. Ok. Ouais, mais tu serais pas écrivain pour Ankama, toi? Ah, si seulement, il y aurait Carl Jean-Gré partout. Ça serait la divinité ultime, tu vois. C'est t'as les 12 dieux, et au-dessus, t'as Carl Jean-Gré. Mais personne ne le sait encore. Par contre, j'ai vu le nouveau Dofus qu'ils vont mettre là, le Dorigami. Ouf. Il est pas vu léger. Ouais, là, mais il est pas vu léger. Je crois que c'est à peu près 20 ou 30 esquives retrait PM, je crois. Et si tu tues des invocations ennemies, tu gagnes du shield. Pourquoi on se d'accord monte, on est sur l'origami? Parce que c'est Pandala et que ils sont dit ben ah. On a de l'encre et du papier, quoi. D'accord. Donc ils l'ont appelé Origami, et l'autre, j'ai oublié son nom, d'ailleurs. Domakuro. Ah oui, c'est ça, Domakuro. Je vais pas dire. Imajiro, d'ailleurs, pas Origami. Oh, il est allé voir le colonel, il s'est déjà barré, quoi. Il nous a même pas fait un coucou, ni rien. Bravo, hein, Guillaume, un bel état d'esprit. Ça va, je suis avec vous en vocal. Ça excuse tout. Attends, je vais aller finir le jeu, mais c'est bon, ça va, je suis en vocal. Bon, moi j'attends là, hein. je sais que Louis il ira TP. C'est la RATP à lui tout seul. C'est la RATP. Je suis
plus rapide. Ah putain, heureusement quoi. Aïe aïe aïe. C'est magnifique. Je suis à 100% de chargement avec une fenêtre qui ne répond pas. Est-ce que tu as du son? Non, je l'ai enlevé. Enfin, j'ai pas le son. Oh là là! Allez, le tutoriel qui arrive. Accepter. Il a créé un nouveau perso. Alors. Ouh la vache, on sent que c'est un vieil ordi. Hein. Vengeance par procuration. Et je me dis! Ah mais non, tu vas TP. T'as parlé au colonel O'Neill? Non, il est où? À Bonta. À Bonta. Dans la taverne de la Chope en Bois. Ah oui, c'est vrai. Avec plaisir. J'ai l'impression d'écouter personne. Ouais, ouais, c'est pas une impression. Taverne. Oh là là là. Cet ordi, je vais te le retaper, tu vois. Il est dans la taverne? Oui. Oui. Colonel. Et après, on va se faire fermer téléporter. Le dialogue. Arracher son gland à l'apracnie ancestrale. Oui. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas oufissime comme texte de... comme texte de quête, quoi. Je suis prêt. Ouais. Nous allons à l'antre de l'araignée. 30 minutes d'heure. Merci. C'est fait mieux, hein. Punaise. On utilise le trousseau de clés, oui. On parasole? Oui, on parasole. Parasole? Oui, parasole, oui. C'était la première blague. Oui, on est tous là, je crois, qu'il y a Guillaume derrière Imagiro. Ouais, c'est bon. Les ébardis en yin yin yin. C'était l'interface du jeu. Ah, je rejoue. Oh, je joue en dernier, non mais c'est quoi ce Beans? Rends-moi mon initiateur. C'est pas grave. 84% et l'ordi avec lequel je joue est ultra chaud. Oh le bordel. Il y en a aucune pour faire un cocon encore. 1500 de vie. Ah la sensibilité de la souris. Ça fait vraiment bizarre le choix de souris. Allez, mon jeu plante. Ne répond pas. Nice. C'est ça parce que j'ai voulu me déplacer d'APM. Ah mais même nous ça nous a fait planter quoi. Ah c'est bon. Ah bon ben ouais. Attends quoi? Elle a taxé de la vie à sa copine pour avoir un bouclier? Oui, oui, oui. Ah ben bravo madame, vive la solidarité. Eh bien, très bien. Rien à redire. Mais je vais mourir. En mode combat, vous avez quoi à droite comme icône? En bas à droite, je veux dire, comment c'est organisé chez vous? Enfin, bon, attends, moi j'ai... T'as qu'à regarder le stream et tu verras. Ouais, c'est bien ce que je me suis dit. Mais Missix n'a pas dit. Ah, Missix, c'est un petit salopard ce soir, il a pas dit qu'on streamait. Ça fait. Bim bam boum? Non. Mais j'ai entendu ça fait. Ça fait des dégâts, ça. Ah, ça! On n'a pas entendu la fin de phrase à la base, mais
Oui, oui, tu l'as, oui. Non. D'accord, là tu pas. 600 en un coup. Ah mais oui, non, là tu pas, il faut qu'on fasse des challenges. Regarde, notre cher Jacques, il fait les châles et puis il les fait bien, regarde. Il est incroyable. Oh bah tiens, je vais mettre à jour Twitch. Je vais te frapper très fort dans le visage. Je sais pas, elle est mise à jour. Ah ok. J'ai mal. Au secours. Quoi ? J'ai mal. Sortez-moi d'ici, c'est tout gluant. C'est bon, j'ai invoqué toute ma vie là. Et c'est parti pour le crapaud. Go. Faut tuer l'autre. Hein. Oui, t'inquiète. C'est juste que là, je profite d'avoir une. Ouh. Oh, je vais me téléporter. Ah ouais? Oui, ah. Regarde. Souf. Mais il est disparu! J'en peux plus. 90%! Eh, t'y es presque. Non, mais après, t'as laissé une contre au démarrage. C'est ça. Il en a déjà fait plein. Hein. Ouais, mais c'est pas fini. C'est Théo. C'est pas fini. Exactement. Ah, 69 PV érotique. Et au moins, on a tous le Fuxa Rakai grâce à ça. Donc, merci Jake d'avoir suivi mieux que nous. Non ! J'ai oublié d'enlever les... Oh. Non, c'est ah, les... J'ai oublié d'enlever les XP, mais non... Mais t'inquiète pas, garde-le, parce que les autres, ils sont en bon, retard. Bon, vous en êtes où ? Bah Thomas, il est 102, et Jake, 104. Ah ouais, bon, d'accord, je le garde un peu, promis. Oh non, mais j'ai taché mon t-shirt qui est propre de ce matin, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Je fais encore un combat et après je change l'ordinateur. Ok. Ouais, attends qu'il soit bien prêt avant, hein, bah c'est... Oui, oui, là il est encore sur le bienvenu. Oui, voilà, le bienvenu, je te dis, moi ça a duré 10 minutes. Hein. Non, 5, j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a des trucs qui changent ou pas? Oui, moi il a enlevé ma couleur, du jaune je suis passé à bleu, je suis très content, j'adore le bleu. C'est pas vrai, je déteste ça. Ceci est un méta. Un message. Faudrait tuer les néphileuses avant que. Kimagiro devienne un cocon. Il y en a deux. Tu fais pas la bravo. Non, il a échoué. Désolé. Il a échoué pour faire son foudrement nul là, tu vois. Tellement pété foudrement. C'est vrai que c'est fort, mais c'est chiant qu'il n'y ait pas les mêmes choses pour les autres éléments. Sur les autres éléments. C'est les mecs qui se disent tiens, on va filer d'autres sorts pour le feu, mais ils en ont pas besoin quoi. Petite cabriole là, miam miam, petit gâteau. Un sort qui fasse des dégâts dans le meilleur élément d'attaque. Ouais, ça serait bien, ouais. C'est tout ? Il y a des résistances ? C'était non. Nul, zéro. Ouais. Bah, je peux pas. Pourquoi t'as pris une photo de ton écran ? Pour montrer Thomas, l'emplacement. Comment organiser ces. Ah, wow, c'est trop beau ! Non, c'est pareil qu'avant en fait. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont changé, j'ai pas encore lu là. La patch note. Alors, par contre, mon gars, tu vas te calmer sur la sensibilité de l'aspect, merci. Ah, mais il y a plus de. Ok, d'accord. Et non, il y en a plus. J'ai tous mes trucs USB branchés qui font. Petit boudou, petit boudou. On vient d'en entendre un, bravo le veau. C'est... J'en ai au moins 6. Ah, super, c'est Guillaume le cocon. Guillaume le cocon. Okay. Je suis arrivé à la tuer, tu crois? C'est bon, ce n'est plus Guillaume le cocon. Donc en fait, c'est Guillaume le cocon. Ah non? Non! Ah, elle l'a pas fait. Ah, je me suis dit, merde. Dès que je l'ai vu marcher vers moi, j'ai vite compris qu'elle allait faire des choses que je ne voulais pas. Ouais, PS. 5 pierres. Boum! C'est quand la prochaine mise à jour de Dofus là, avec Grob et tout ça, la semaine prochaine?
À la fin du mois. À la fin du mois. Parce qu'il me tarde de voir les challenges comme des succès. Ouais, ça, ça va être cool, ça. Ah ben, ça sera beaucoup plus pratique. Comme des succès. Alors, en fait, t'auras le... sur le côté, normalement, si j'ai tout compris, t'auras ben, les challenges, comme on a, mais t'auras aussi les succès concernant le boss que tu fais, ou quoi que ce soit. Ah, mais et ça risque d'être pratique, ça. Très utile, oui, depuis le temps. Ils auraient pu penser avant, ces idiots. La 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 la. On bouge ou on bouge pas, Thomas? Vas-y, vas-y, lance le combat. Allez, ok. Je viens de le redémarrer une deuxième fois. Ouais, plus que 3. Non, non, c'était pour c'était pour des applications qu'on avait. Allez, moi, je vais pas voir la néphileuse. Je l'aime pas. Dartalène. Dartalène. J'ai pas compris pourquoi c'est une araignée. Je peux me mettre là ou pas? Oui. Oui, oui, vas-y. Ok. Audio Wizard. Tu es un sorcier, l'audio. Un sorcier audio, c'est un dieu. Punaise, je suis tout vert. Ah ouais. Fuck la dardalène. Qu'est-ce que t'as fait? Bah la dardalène m'a vomi dessus. Moi aussi. Non. Allez. Cool. On fait duel ou pas? Comme tu veux. On peut. Okay. Ça voudrait dire que Jacques doit pas toucher la néphileuse et moi non plus, et donc elle va transformer quelqu'un en cocon. Vous voulez pas qu'on fasse juste le désigné volontaire? Oui, on fait comme ouais, vas-y, fais désigner. Allez, j'espère qu'elle va pas me transformer moi, parce que sinon ça va m'énerver. Non. Mais espèce de sale petite. Fallait pas que tu le dises, Jack. J'en ai trop marre. Ah oh, punaise. Ouais, je suis en vie. J'ai 100 PA et j'ai 100 PM, je vais pouvoir aller super loin. Waouh. Lol. Chez moi t'en as. Moi j'en ai 100 sur mon écran, d'accord. Le chat, ben, il peut dire que oui. Aïe aïe aïe, ma bonne dame, en plus de saison. Je suis taclé. Ah bah bravo. Salut, c'est moi, c'est Tiens. Coxy. Coxy, c'est pas celle qui chante le garçon? Si. Qui? C'est elle. Garocon, ma fille Garocon. Garocon qui perdent leur cédille. Dididou. C'est roi d'Adidou. Qu'est-ce qu'il y a de la vie? La mère à neuneu. La mère à neuneu. Qu'est-ce qu'il y a de la mère à neuneu? Neuneu. Ah merde. Musique. Endo. Renvoie des dégâts. Le casque. C'est le meilleur truc que tu puisses faire. C'est Musique. I'm not a Musix. Moi je pensais qu'il allait un peu plus ramer que ça, mon ordre. Eh, tu vas mourir, regarde. Genre blog. Ouais. Ah ouais. C'est le poison de la. Bah justement, j'en profite pour changer de voc. Ok, super, ça va pas du tout nous faire bugger. Non. Attends, mais ça veut dire qu'il faut pas la tuer.
Si, si, vas-y. Pourquoi? Non, de ça lui valide le c'est combat. Bon. Hein, tu le fais maintenant ou... Non, je change pas de jeu, je change de voc. J'arrive. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai peur. Rien. Donc à la place, je vais écrire un message sur notre chat. Voilà. Tant plus Thomas. C'est normal, il est en train de changer de ses réglages et tout ça. Je crois qu'il a dit qu'il changeait de box ou je sais pas quoi, mais j'ai pas compris. Mais il passe de son téléphone à l'ordi. Ah, mais il change pas de box dans ce cas-là. Non, de voc, il a dit. Ah, j'ai entendu de box. C'était volontaire sur le chat du stream ou pas? Oui. Oui, je l'ai dit, je vais écrire un message sur le chat. Vous m'entendez? C'est passé à la télé. Hein. Bah oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça, attendez. C'était la blague en fait. Non, c'est pas ça la blague. Ah, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as écrit? La blague, c'est quel est le comble pour un vélo? Ah, la blague! Le comble pour un vélo. De se mettre des bâtons dans les roues? Non, c'est de dormir sur la béquille. Ah! Je suis prêt. Oh, ce... Bon, ben, soit. Bon, alors, ça part dans l'onglet ne pas marcher. Il faut connaître l'expression. Je ne la connaissais pas. Je la connaissais pas jusqu'à l'année dernière. C'est un collègue qui m'a. Combat, s'il te plaît. C'est un collègue qui m'a expliqué la Merci. Blague. L'expression. Je connaissais pas. Ah, Yanjiro vient d'être déconnecté, il quittera la partie dans 20 tours. Ah, il vient de se reconnecter très vite. What the fuck? J'ai à peine ouvert Dofus que ça m'a déconnecté. Oui. Parce qu'on est sur un. On est sur un serveur. Solo compte, je te rappelle. Solo compte, ouais. Mais comme ça a fait connexion rapide, il m'a mis directement sur le personnage. Ok. Ah. Alors, on me revoilà assez vite parce que. Ah, je retrouve mes configurations. On va bien pouvoir toucher là avec. Avec Jacques, on va passer un tour dans le vide. Y'a mis un petit gâteau. C'est ça, allez-y, courez, va. Coulez-vous. Courez, on m'attraperait pas. Cué, chocobo, lui. Pouvoir éteindre cet ordinateur. Bon, c'est pas grave, il vient de te chauffer la pièce. On serait bien passé. À base de tostinette. Ah, tu vas pouvoir toucher le Celtic. Ou la Celtic. Non. Avec Félincion, tu peux. Non. D'accord. Oui, peut-être. Bah, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Eh, je jouais Cap Flip, moi, hein. Non, mais dis donc, me prends pas pour un idiot. Il se met bien devant le chaton. Ouais. Bonjour, la fumidelle. Oh, la Celtic qui vient me dire bonjour. 5 PM Ok. De quoi? Que 4, moi. Parce que tu es mauvais, Jack. Tu es mauvais. Oh non, c'est mon tofu, là, qui est mauvais. Touche la dardalène au corps à corps, elle va te faire mal. Elle va te renvoyer des dégâts, je crois. Furé.
Ouais. Pourquoi ça n'a pas touché? Ah, c'est toi qui as décidé de ne pas la toucher? J'étais taclé, je pouvais pas m'avancer. Elle me renvoie des dégâts parce qu'il n'y a rien sur son état? Oui, elle t'a renvoyé. C'est le monstre de base, elle a des pics, donc si, ouais. C'est qui s'y frotte 6 pics. Je sais pas, j'ai cliqué sur son truc. Elle a un buff, tu te fous de ma gueule? Qui s'y frotte 6 pics de la Dardalène, c'est infini. Dardalène? Moi j'ai rien. Bah regarde le live, je te le montre. Il est là, genre bonjour. Bon, on le voit pas très bien parce qu'il y a mon bonhomme dessus. Faut que j'appelle Internet. Ouais. J'appelle Internet pour qu'il me faxe le numéro de toutes ces femmes. Casse-toi le chaton. Ah, merci. Moi, je peux taper. Stouf. C'est bon, j'ai le live à côté. Nice. Allez, au revoir, ordinateur. Ça fait quoi si je fais ça? C'était loin d'être nul. J'aurais pu tuer l'autre. Bah attends, je vais faire avec lui. Parce qu'en fait, il a une attaque de zone. Ouh. Je sais ce que je fais, grâce à ça, je tue les deux. Ouh. Je suis trafard. C'est le boss. C'est le boss. Bon alors. W. Nier. Premier et hardy. Oh, pas hardy. On peut faire premier, je pense. Hein. On peut peut-être faire. Bah, je sais pas hein, s'il y a top 4 ou pas. En vrai. Et puis surtout que t'as la néphileuse et t'as celle qui one-shot à côté. La rapex, oui. Si vous êtes en cocon et que vous faites taper par la rapex, vous êtes OS. Ouais. Ah ouais. On disparaît. C'est le boss, la rapex? Non, c'est l'araignée. Non, c'est l'araignée. C'est l'araignée. Je sais pas si on peut y arriver à la tuer en premier. Je sais même pas combien de vie elle a. Combien les deux petits yeux? Elle a 3600 PV. C'est-à-dire qu'on prend le risque de... se faire tuer par une Arapex. Est-ce qu'on prend ce risque-là ou pas? Faut voir comment sont positionnés les mobs aussi. Ouais. Bon, ben pour l'instant, on va tenter premier. Puis si on voit que c'est la galère, et ben on dira bon ben non, on va tuer la néphileuse. Hein? C'est quoi mon corps à corps? Pourquoi j'avais pas mon corps à corps? Je sais pas. Ok, donc ça serait déjà mieux. Pourquoi j'avais plus l'amulette de l'aventurier? Je sais pas, moi j'ai mon collier du dragon cochon, je suis content. Ah ben voilà, j'ai une 200 de vie là, rien qu'en faisant ça. Ah super, il va faire d'autres dégâts. C'est bon, je suis prêt. Est-ce que Jacques Kimus est prêt? Est-ce que... est-ce que le père Fouras est prêt? Est-ce que le fou... Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je sais pas. Non mais... Voilà. Diagnostic. Et puis comment ça mal au crâne à deux niveaux de plus qu'elle? Parce qu'il est Oméga 202. Mais c'est pas écrit ça maintenant, un diagnostic à 202? Non, t'es niveau 200 et après t'es Oméga. Bon, ce serait bien de te dépêcher par contre. C'est bon, faut pas 3 ans pour se placer. Allez! Merci. Bon, on va essayer de tuer l'araignée en premier. Et Hardy, ça va être dur en fait. Elle est dégueulasse!
Ouais, elle est plutôt fat, ouais. Hardy, c'est quoi? C'est terminé C'est terminé sur une cellule adjacente à un ennemi. Un ennemi? Ouais, ça va être un peu compliqué. Faut faire les deux? Non, on va la tuer en première. Ah. Ah. J'ai moins de... Allez, le sacri, one shot là. 50 millions. C'est pas ce que j'appelle du one shot. T'es nul. Tu lui as fait perdre un sixième de vie à lui tout seul. T'es nul. C'est nul. T'es nul. Tu vas me dire, je peux peut-être lui faire pas mal de dégâts moi aussi. Il faut que je compte. Tu veux que je la rapproche? 2, 5. La rapproche ouais. Ou pas? Ouais, rapproche-toi. Ouais. Allez, non pour le prochain tour. Je vais plutôt me mettre en masque direct. Ah bah bravo. Pourquoi t'es pas resté au coq? Moi je vais y rester, comme ça moi je reste loin de la néphileuse. Tiens. Ah hein. Ne bouge pas Guillaume, tape là avant. De vouloir. Ouais, même après avoir tapé, ne bouge pas, reste là. Ça va, la néphileuse elle est encore loin. Ah mais bon, elle fait peur. De trigénaire. On dirait une prof de maths. Quoi? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? 4 et 9. Non, ce serait nul. C'est nul. Je vois aussi mal à... Putain. Vroom 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 vroom. Oh non, j'aurais dû le mettre devant la néphileuse, je suis con. C'est pas grave. Oh, le coco, il fait que grossir là, il me fait peur. Ça invoque une deuxième araignée. Oh non. On va mûrir. Ah, au final, mon tofu, il est pas si inutile que ça. Je suis assez fier. Allez, c'est bon, il en reste plus beaucoup de vie. On lui a fait la moitié. Tu n'es pas en ligne. Quoi en ligne? Parce que tout à l'heure, elle a attaqué en ligne. Oh, c'est pas grave. Ah, non, elle a fait un con devant elle. Ouh, les petits gâteaux. Normalement, je pense que Jacques tue l'araignée. Ah ben plus maintenant parce que Majiro s'est mis devant. Au pire, tu peux la taper avec des bluffs. Ah merde. Eh ouais. Au pire, j'ai des. T'as des boucliers. Hein. Ouais, enfin là, il risque de taper. Ou comme tu veux. Fais comme tu le sens, Jacques. Ouais, je peux pas faire falancion sur elle. Parce que t'es trop près. Mais il peut. Attends, il peut. Non, il est trop près. Il faut qu'il recule d'une cage. Oui, il peut reculer. Oui, il peut. Mais bon. Et apparemment, Bluff va faire son taf. Bien joué. Ça faisait quoi le cocon? Non. Mais là, s'il a rappé sur le tap, il est OS. Non, mais le cocon qui a disparu. Ah, ça a invoqué notre arachne au bout d'un certain nombre de tours. Ok. Ouais, je fais là. Je suis. On focus la rapex. Ouais. C'est, je voulais faire autre chose et je me suis dit, ouais, non. On va peut-être aider le petit Jacques. Ah bon? Comme ça? Ouais, t'as vu ça? Okay. Puis je vais mettre ça là devant, comme ça au moins. Ah, tu peux pas le toucher! Voilà. Techniquement, ah non, s'il y a peu. Merde! J'allais dire, ouais, trop bien, je vais sauver la vie, pas du tout. Toile. Ça fait quoi la toile? Tu peux tuer le tofu aussi, Jen, pour faire les deux en même temps. Pour faire une croix. Sinon je chie le châle. Ah, tu veux faire focus? Ok. On peut. Autant faire le... Ça fait de l'XP. Enfin, pas pour moi, parce que... Mais oui. Non, mets-toi devant.
Ah ouais, non, c'est bon, Thomas peut pas aller jouer après. Ah, saleté de Dardalène. C'est comme Dardeville, mais avec de la laine. Par contre, le pauvre Jacques, il va pas pouvoir jouer ce truc-ci. Il va nous regarder faire. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, en ce moment, tu t'es même la pierre angulaire de tout le groupe. T'es même un super con. Quoi? Dans son cocon. Ah. Du coup. Péto. Oh, attends. Ça va, c'est confortable dans ton cocon? C'est T'as douille. Un aspect cocooning. Petit aspect cocooning. On permet dans un coupé. C'est bon, la famille Tofu vient à ta rescousse. Il m'en faut un autre. En vrai, je peux même pas en avoir un autre. Par contre, je pense que je la tue. Eh, tant mieux. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli faire une erreur de parcours. Ah, mais il peut pas bouger, le Tofu, parce qu'il est sur la... La toile. Ouais, j'ai fait une erreur. Tant pis, elle meurt pas. Enfin, maintenant, elle peut, mais... Bravo. Tellement de dommages qui se rapportent à votre plumage. Je sais pas quoi, l'hôte de ces bois. Bonjour. Je suis Dardalène. Mais elle va tuer Guigui. Elle va tuer Guigui. Elle va arriver à faire chier. Je suis la Dardalène. Oh là là. Et moi aussi je veux faire ça. Regarde, tu vois, Jacques il est mort maintenant. Il va jouer avec... Par contre le venin de la Dardalène il est violent. Hein. Ouais. 200 et quelques là, miam miam petit gâteau. Et mon tofu. Touche pas Julien. Tu as donné un prénom maintenant. Bah c'est le tofu doré. Ah putain d'accord. Touche pas Julien. En vrai ce serait marrant que j'en file un prénom à tous. T'as Mélanie, Julien et... Mélanie, non, c'est Julien pas Mélanie, et Amélie. C'est Mel. C'est Diams. C'est Diams. C'est Diams le Mélanique. Je suis très très d'accord avec ça. Ah ça me va. Et l'albinos, ben je sais pas. On n'a pas encore trouvé. Ouais. Attention qu'il t'ait pas l'antre. Ouais. S'étonner. Il faut s'étonner, genre waouh. Pourquoi? Ça fait quoi? Bah parce que c'est notre quête. Et si on reste pour la contrarier? T'as le droit, mais tu peux sortir aussi. Ah, c'est nul, ça fait rien. L'esprit de contradiction, quoi. Ah ouais, ah ouais. Il bouge pas. Eh ben ouais, eh ben je reste pas, ça t'énerve, hein, t'as vu, ça t'énerve. Bon, ben je vous propose qu'on aille rendre la quête en dessous. Ouais, on va 4 cases en dessous, 5 cases en dessous, pardon, j'ai pas compté. Pour rendre notre quête des Arakai, gagner de l'expérience et gagner le jeu vidéo. Ça y est, j'ai fini Dofus. C'était pas trop tôt. Résumez votre rencontre. Oh, beau travail. Oh, vous êtes fort. Oh merde, c'est pas fini. Faut aller voir les Munsters. Oh, c'est pas fini. On va voir El Munster ou pas? Oui. Ok. Il va nous dire tu la Brachnide. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une quête qui demande de faire la Brachnide à part vengeance par procuration. Par contre. Oui, mais. C'était de la forêt des Abrachnides? Oui, non, parler des Arakai.
Oulala, faut partir à l'orée de la forêt. Capturer un gargantule. What? J'ai pas envie de capturer des araignées, moi. Qui a envie de faire ça? On capture le truc? Oui, il faut. Bah attends, je l'ai pas, la quête. Ah mais si, c'est un juge hystérique, c'est bon, on l'a. Si moi je l'ai, tout le monde là, je suis con. Ah, yes. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas utiliser voyager jusqu'à cette position. Pourquoi? Ça fonctionne pas sur ton ordi ou... Je pense qu'il faut que je vide le cache. Ah. Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez d'énergie sur ta monture? Je sais pas, il me mettrait un avertissement ou quoi? Je sais pas. Non, il s'arrêterait en plein milieu. Je sais pas du tout. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Vivement que j'ai une RTX 3070. Ah, moi aussi, je l'ai commandé à Noël, je suis sûr que je vais l'avoir. Pas du tout. Alors, on attend que tout le monde soit là. Au-delà de ce que je vois. Et on est tous là. Alors, gargantule solitaire. Utiliser la cape magique. Ah bah ça y est. Bon d'accord, bah pourquoi on a attendu? Je pensais qu'il fallait faire le combat. Ah mais moi j'ai un combat. Ouais, un combat. C'est aléatoire. Mais c'est aléatoire. Tu sais très bien que à chaque fois moi vous pouvez venir ou pas? Oui, j'arrive. Mais alors chef. Vous savez très bien que moi je me tape tous les combats. Hein. Mais s'il faut utiliser où? Il y a un gargantule au milieu de la map vert. Là. Bon, si tu lui montres. Bon, ça va, on a vu pire comme combat. Oui, pourquoi je genre les persos là, Brakmar là. Oh, ça encore ça va. Je te dis, moi je suis bloqué. Non, je suis bloqué sur une quête pour la fratrie des oubliés, c'est un enfer. C'est sans déconner, c'est un enfer. Et puis après, t'as Barnabé dans l'espace aussi qui est chiant. C'est bon, Guillaume, t'as Gargantule en cage? Oui, oui. Ok. Y'a que Thomas quand même. Ça m'étonne pas. Moi, je trouve ça très drôle. Genre, tu t'es vautré dans ta cape magique. Oui, mais au moins, ça me fait un peu plus de d'XP. C'est vrai. Moi aussi. Pas du tout. Faut pas voir le verre à moitié vide. 105. Quoi? Guillaume est passé niveau 105. Ah, il est trop fort, tu vois. Il est trop fort. Y a pas que moi hein, qui gagne l'expérience. C'est quoi le mieux, Chance des Caflip ou Oben? J'aime bien Oben parce que c'est la petite étoile. En vrai, c'est bien. Pour soigner Oben, ça peut être bien. Ça fait un petit soin. C'est si on va dire, il te reste 2-3 PA, Oben, ça peut être bien. Enfin, moi, je m'en sers sur les Caflip parce que tu peux te soigner toi-même. Et Dieu sait que les Caflip, se soigner, c'est un peu compliqué. Surtout quand tu joues haut, à part avec Félention. Et encore, non, Félention, ça vole. Si, je sais plus si ça vole de l'eau, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener une potion. La potion. Attention dans les dialogues. Oh non. Faut pas dire que vous partez sur le champ pour l'antre. Faut dire répondre que vous aimeriez éviter d'affronter la reine une nouvelle fois. Bah je crois que c'est fait, mais j'ai une... Je suis une araignée. Gober oui, la boule. Oh, je suis une araignée. Oh, alors... Je crois qu'il va sonder d'une araignée. Je me déteste. Venez sur la map du donjon. Ok. On va se faire passer par une araignée, elle va nous dire oui d'accord. C'est ça? Je suis en mode créature, du coup, je nous vois tous en créature. Ouais, on est bleu, chelou. Il n'y a plus voyagé. Oui, parce qu'on est bleu, non, on n'est pas sur la... une araignée, c'est... C'est une case à gauche et deux en haut, si tu te posais la question.
Insupportable ce bruit. Faut passer là. Oui, faut aller faut pas rentrer, il y a des égouts là. Ah oui, c'est il y a les égouts. Enfin, empruntez la grille. Et vous cliquez sur l'œuf. Un œuf. C'est bon. C'est bon, on est redevenu humain. Et on va pouvoir revoyager. Enfin, moi je suis Zobal. Je suis pas humain. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait, moi je suis un peu Jean Pascal vu que je suis à moitié un animal. Jean Pascal le Régnal ? Et c'était pas par là. Putain. Je me suis trompé. Enfin, on peut pas atteindre la main de Hellmaster par le haut, en fait. Non. Très nul, ce jeu. Très, très nul. Je confirme, c'est très, très sale, maître. Alors, je parle. Je lui montre l'œuf. Et on part vers le domaine ancestral. Oui. Zimbardi, on va affronter. Okay. Ben voilà, on va là. Qu'est-ce qu'elle est laide, cette drago d'Inde. J'avoue. Vous êtes laide, madame. Oh, y a plus laid. Oui, c'est vrai, mais alors celle-là, elle est vraiment pas belle. Hein. J'ai jamais vu le dos. On dirait une drago d'Inde crâne de cristal. Domaine ancestral, c'est un donjon. Oui. Je vais utiliser le trousseau de la clé. Oui, je suis à l'intérieur. Okni Bosop. Je comprends pas le jeu de mots. Moi non plus. Quoi ? Ah, ben voilà. Bien. Attends, monture. Qui est cet énergumène ? Pourquoi j'étais plus sur ma dragonnée ? Ah, parce qu'on a été transformé. Il va dormir là ? Une place pour le donjon. Non. Le pauvre. Ah, c'est vous qui voyez. Ah ben voilà. Putain mais ce vieux marchandage quoi. Ouais. Ça a marché l'autre fois. Oui c'est vrai que l'autre fois ça avait fonctionné. Plus de nouvelles d'ailleurs de ce garçon. Pas de nouvelles. Malédiction. Plus jamais. Alors plus jamais tu chantes du maître Gims. Plus jamais. Tu ne refais plus jamais ça. Sinon je m'énerve très très fort. Waouh, je passe à la télé. Ah oui quand même. Techniquement il a raison. Techniquement il a raison. Aïe aïe aïe. Bon, va pas falloir qu'on reste longtemps sur ce cas parce que les corbeaux commencent déjà à m'énerver là. Autant que la mouette à sa rage là, putain d'oiseau. Invite. On l'invite ? Ouais. Et la notif comme quoi il nous avait suivi ? Parce non. Que sans ça, on l'a pas encore eu. Ah il nous a pas suivi, pas gentil. S'il faut, il peut pas utiliser internet. Il fait une mise à jour à Windows. Hey, niveau 93. C'est un héliotrope. On va pouvoir taper dans ses portails. Salut tout le monde. Hello. On va le marquer en cas s'il ne nous écoute pas. Hello. Si je pense qu'il est dessus. Je sais pas. Tu as sûrement raison. C'est lui qui doit tout tuer. Il doit tout tuer. Oh non. Tain, il fait chier, pourquoi on invite des randoms là?
Le mec il rage sec, tu sais. Ah oui, niveau 93. Ouais, mais il a plus de vie que nous, c'est quand même balèze ça. Hein. Le mec ouais. est mieux stuffé que nous. On est nul à chier. Oh. Mais ça, c'est de la faute de Louis, il nous dit de faire des stuffs tout nuls. Aïe aïe aïe. Mais au moins, grâce à lui, je joue pas dernier. Peut-être qu'il est parchoté vite. Ouais, peut-être, hein. Ça serait bien de le faire un jour, le parchotage, mais alors... On fait nomade ou pas? On peut, c'est gratuit, nomade. Enfin, je vais essayer de le faire, parce que moi, je gagne des PM, là. Pourquoi j'ai mis 800 de vie, hein? Oui, parce que toi, t'es un tank. Tu es fait pour ça. Bah... Nice. Oui, il en a 2000, ouais. Ouais, mais lui, c'est un sacré... Ah ben, on fait nomade, ouais, ça serait bien, d'accord. Bon, bon, fais pas nomade. Merci Jake. Bravo. Pourquoi? C'est le chat qui a foiré? Non, c'est toi qui n'a pas bougé. Eh ben nomade. Ah, j'ai confondu avec l'autre, pardon. Avec zombie. Accident. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est pas grave, ça arrive. Puis pff, l'autre, ça va, c'est tout. Pas. Il y en a d'autres des ça. Et on va booster. Ah, l'autre. On va avoir beaucoup de la portée. Ah oui, vachement. D'autres portées en plus. En fait, les Liotropes utilisent des portails pour pouvoir taper plus fort. D'accord. Enfin, là, ils viennent les fermer, je crois, donc on va pas pouvoir les utiliser. Parce que les monstres peuvent aussi les utiliser. Ouais. C'est, en fait, c'est donnant-donnant. L'héliotrope, c'est très fort, ça peut avoir énormément de portée grâce à ces portails, en fait. Et tu peux les utiliser pour marcher dedans et tout, enfin... C'est... On faisait pas le chat, lui. C'est en vrai, j'aurais pas joué au Samodas, j'aurais peut-être joué Helio. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. C'est une classe très particulière et qui a l'air très 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 chouette à jouer. Ouais. Mais apparemment très difficile aussi à jouer. Pardon. Ah, t'es soin. Mais non, c'est parti. On se mordit l'éternuement, les gonds. On attrape tous la grippe, c'est parti. Ah, on fait pas l'autre non plus. Oh, ah ben... Ça, c'est de la faute de Louis. Il a tout cassé. Tout cassé les jolies chaussures. Ah putain. On dirait des vaches. C'est les vaches. C'est le même bruit que les vaches. Ah mais j'ai pas de portée moi là. Non mais sérieusement, il y a M6, il se réveille maintenant. M6 qui dit hey, « Eh, salut, il stream !» Moi, je trouve ça très amusant, cela dit. Attends, je vais gagner. M6. Mais pourquoi je peux pas l'utiliser? Était interdit de décharger. Merde. Attends. Est-ce que tout le monde va gagner un PM? Non, j'ai pas assez. Je sais pas jouer ma classe. Bonjour. Pipidi, pipidi. Allez, va là-bas, toi. Merci. C'est bon, je sais jouer maintenant. Et non, il s'est pas téléporté, chais. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? On sait pas. Un coup à droite, un coup à gauche, et puis un coup à droite, et hop, les... Là, non, hein, tu vois, avec tous les portails qu'il a mis, il va pouvoir peut-être toucher la brachnite sombre. Non, il vient me toucher moi. Ah, il te booste. Il te booste grave. Et il te soigne même. Santé, oui. Il fallait pas me soigner. Ah oui, c'est vrai, t'es un sacré. L'ami. On a gagné. Un parchemin d'ivoire. Cool, je vais avoir de l'expérience. Tout ce que les gens aiment dans mon équipe, que j'ai de l'expérience. Je vais peut-être pas rester en plein milieu, moi. Hop là. Je vais peut-être me mettre là. Je vais m'occuper du vénérable. Allez, venez par là, je vous mets un peu de bouclier. Allez, venez, Milord. Ah, super châle, là, les deux. Miam, oh, miam. Mon dieu. Putain, je crois que je peux en faire aucun. Mon cac, il sent tellement des fesses que... Genre, je fais beaucoup plus mal avec plus bon qu'avec ça.
ce qui n'est pas normal. Tu as un problème. Et voilà, il a fait échouer Barbare. Il est vraiment nul. Hein. Purée, oh. Sachant que Pétulant, c'est super relou à faire. Ah, Pétulant, moi, j'ai, avec mes 11 PA, c'est chaud. Pareil. Ah, en on attendant, je joue Magiro. Moi, j'attendais. Je m'attendais moi-même. Par pure galanterie, je m'attendais moi-même. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a Shardwolf. Ah, bah oui. Je peux dire bonjour, Shardwolf. En effet, il y a Shardwolf. Bonsoir à tous. Salut, salut. Ceux qui viennent de nous rejoindre après une heure de live. Bah, en même temps, c'est de la faute de Mystix, il a pas fait son boulot, donc les gens n'ont pas été notifiés. Oui, après, la première demi-heure était pas non plus... folichonne, oui. Très folle en aventure, hein. Ah, ça, c'est clair. Oh, tu vas me dire, c'était une sacrée quête, hein. La quête des points de chargement perdus. Ah, M6 ne prévient que Discord, de toute façon, tout le reste n'est pas présent. Ouais. Heureusement qu'il y a Insta, etc. Le petit bonhomme, c'est Butters. Je pense qu'on parle pas assez des dons Eloasso. C'est pas faux. Hein. Par contre, j'ai fait le pire tour du monde. Hein. J'ai vraiment fait de la daube en sauce. On n'a pas fait pétulant finalement. Bah. C'est... Moi, je j'avais pas à le faire parce qu'il avait été échoué avant. Par Jacques Glassfond. Tu zoomes jamais sur ton écran, Yakipon. Pourquoi faire ? Pas pour mieux cibler, mieux voir ce genre. Alors je vais taper la Breaknid, voilà, ça a bien lagué le temps que je zoome et je dézoome, voilà pourquoi je ne le fais pas. Non, j'ai pas besoin, au pire j'utilise la timeline quand c'est le bordel. J'aime avoir une vue d'ensemble. Et c'est le foudroiement. Bah, moi je trouve ça un peu plus joli. Pourquoi tu tapes des trucs qui sont... J'ai rien dit. Non, j'allais engueuler parce qu'il tapait un truc qui avait 10% de résistance en feu. Mais... Au final, l'autre c'était 27, donc... Je ne vais rien dire. Oh, sérieux? Tu es vraiment très fort. Hein. Non, je suis Ford. J'ai fait du moins combien 4, 5, 6, 7, 8. On avait tué la braque. Mmh. Merci. Mouah. Et il a beaucoup de résistance en haut, lui. Il aurait peut-être fallu que tu tapes l'arachnotron. Mais là, c'est trop tard, donc au pire, tu peux utiliser Aubaine pour te soigner. L'aubaine, mais la petite étoile. Mais la petite étoile. C'est le meilleur sort du monde. C'est pas vrai. C'est fait, ne me crois pas quand je dis ça. C'est juste que je sais pas, j'ai beaucoup aimé le petite étoile. Aubaine, la cible alliée regagne 15% de ses points de vie, mais elle subit 15% de dommages supplémentaires. Quoi ? Madame, ah, mais non, ben non, c'est de la merde alors Aubaine. Je suis trompé de ça. Il arrive tout de suite. Marie, vite, téléporte-toi dans le placard. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore, bordel? J'en peux plus de lui. C'est dans Avez-vous déjà vu? Ah. C'est la seule fois où on utilise le mot aubaine. Incroyable. J'ai regardé tous les Avez-vous déjà vu pour compter les fois où on dit aubaine. Pourquoi ? La vache. La lilulée. Hé, hey, regardez, j'ai droppé Imagiro. J'ai droppé un cocon. Tu prends un cocon ? Non, mais... Au dernier stream, t'étais toujours le cocon.
Oui, à chaque fois c'était pour ta gueule. Pas un gros con. Oh, il faut pas dire ce genre de choses. Je mange du pain. Tu manges du pain? Eh bien, soit. J'ai entendu, je mange du pain. Bah, apparemment, c'était ça. Ça mange pas de pain. C'est comme j'ai d'autres fois. J'ai d'autres chats à fouetter. Je connais quelqu'un qui galère à lancer un jeu. Y'a pas un chat. J'ai des notifications, hein. Joue à The Witcher, ne joue plus à The Witcher. Joue à The Witcher, ne joue plus à The Witcher. Je crois qu'il galère grave. Peut-être la mise à jour Windows. Ça doit être la mise à jour Windows. La fameuse. On aurait dû renommer le stream. Hein. La mise à jour maudite. Hein. La mise à jour de trop. La mise à jour le retour. La vengeance de la mise à jour. Bis. La mise à jour contre-attaque. Le retour de la mise à jour de la vengeance. Vous n'avez pas la référence, je suis très déçu. Quoi? La vengeance de Marie-Joëlle. Marie-Joëlle contre-attaque. C'est quoi le sort pour éloigner des gens? Libération. Non, c'est le wifi. C'est le wifi. Bravo, t'as utilisé le wifi. Le wifi. Oh! Je peux rien faire d'autre. Tellement de vols de vie sur ce sort. 50% en un point. Mais. Ah bah tiens! Il a pas aimé! J'ai envie de faire ça. Ça. Je vais en profiter. Pour faire une annonce. Ouais, mais pas comme sur Néon Abyss. Je suis très déçu. D'ailleurs, vous pouvez suivre les streams Néon Abyss quand il y a qui pour les faire. C'est assez sympa, c'est très drôle, musical et visuel. Mais sauf sinon, le dernier stream, n'allez pas le voir. Pourquoi? J'ai fait que des échecs. Ouais, bon. Mais sinon, vu que les dons et l'Oasso ne s'affichent pas, je tiens quand même si c'était des dons entre guillemets obligatoires. Je tiens à préciser quand même que vu qu'il y a l'abonnement Switch est pris en compte au sein de l'association, il y a des dons qui sont arrivés par rapport à ça. Donc je remercie Fuji qui a donné 4,40€ pour ça. Et je remercie grandement Julien Pica de chez Midgar Studio, à qui je fais un gros bisou, qui pareil a participé. Et bien sûr, il y a Kipon qui a donné 5€ ici présent, que je remercie grandement. Et Imagiro, je te remercie d'avance. Parce que c'est très bien, c'est ouais, il faut que je le fasse. Je me souviens plus si j'ai un compte. Avec plaisir. Mais c'est surtout pour... Et t'as besoin d'un compte là, sur Eloasso? Je l'ai fait avec la version mobile. J'ai pas eu le temps de voir plus. Ok. Faut que je regarde. Et Torren, si tu nous écoutes, pareil. Ça, je te le rappelle au cas où. Et c'est à moi de jouer. Exactement. Sinon. Mais il est loin, le. Exactement. Il affaiblit les autres, hein. Bli. Non, ça va. Ah, mais ça marche que. C'est pas sur moi, Aubaine. Ben non, c'est sur les autres. Quelle Aubaine. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas génial, parce que le but c'est que tu te protèges toi, pas les autres au bout d'un moment. Enfin, non, je ne pouvais vraiment pas. C'est tellement occasionnel que ouais, non, on le fait pas quoi. Zéro, bête, zéro. Ensuite, je vais invoquer Julien. Il est très bien, Julien. Regarde. Il va vivre le meilleur de toute sa vie. Il va reculer. Le vénérable. Là-bas. Bravo Julien. Tout ça pour que lui puisse toucher. Et ça c'est beau ça. Tu vois, ça c'était du placement ça. Incroyable. OPM prêt. Je suis vraiment le maître des tofu. Il a du mal. Il est complètement bourré le machin quoi. Ouais, je vais en droite, je vais en haut, je sais pas.
Ah, il a utilisé le wifi. T'es obligé de t'inscrire, je crois. Hein. Il va te soigner, regarde. De quoi? Ah non, il te soigne. Ah si, il te soigne. Si, si. Va falloir que tu lui écrives aussi, s'il nous écoute pas, que tu es un sacrieur et tu es fait pour avoir moins de vie. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu pouvais toucher le tofu si tu voulais taper dans le trou de mid aussi. Ah mais non, faut faire tueur à gage, putain. Ne te mets pas en ligne, sinon... Ok, j'ai rien dit. Je pensais que Majiro n'allait pas pouvoir toucher le vénérable. Si, si. Allez. V, quoi, je peux pas? Je sais pas. Et vas-y, purée, oh. Bon, de toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre. Est-ce que je peux faire ça? Eh bien, il va falloir taper la brachnie de sambre, qui a beaucoup trop de résistance eau. Genre vraiment beaucoup trop. Il reste que lui, hein, c'est ça? Ouais. Oui. C'est le seul. Je sais même pas si je pourrais le tuer, moi. Non. Ah, merde. Non, je vais pas pouvoir. Sauf si je fais ça. Ça. Que je fais ça. Ça. Et ça. C'est bon. Là, moi, je suis sûr de le tuer. Ok. On a gagné. C'est fini? Non, il reste deux salles encore. Il reste encore une heure. J'arrive, je suis sûr du pain. Ouais, pas de soucis. Bah garde-le au pire pour le prochain. Fais chier, je suis loin là. Ouais. Ah oui, pardon. J'ai chaud. Ok, on peut combiner les deux là. Quoi, les deux châles? Combiner les deux. Blitzkrieg et imprévisible, jamais. T'es chaud toi, hein? Jamais. Imprévisible, ça change à chaque personne. Genre là, pour l'instant, il nous dit va taper l'arachnotron pour le tour de Fiara, mais pour le tour d'Imagiro, s'il faut, ça sera un autre. D'accord. Donc, faire les ça deux, serait tueur à gage, oui. On aurait pu peut-être combiner les deux, mais là c'est trop dur. Il aurait fallu husser les mobs. Arrête. J'avais très bien entendu la première fois. Mais vrai, tu réagis. Regarde ton nom. Trans, je sais plus ce que ça fait. Trans, je crois que ça t'approche, non? Ah non, c'est Bolish. Je sais plus ce que ça fait, trans. Ouais, ouais. C'est vraiment vous savez, c'est le masque nul. Il part en m'abandonnant. Là, on s'est tapé pour taper. Hein. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est là, tu peux faire ce dont tu as envie. Il fallait taper la braque, Jake. Elle avait moins de résistance eau. Merci Thomas pour ton don de 10 euros. Qui Thomas pas. Moi c'est Imagiro. Pardon, merci Imagiro. Oh là là, ce trash talk. C'est qui lui? Je
connais pas moi qui. Oh lancer Torrent du coup parce... Allez vas-y, fais-toi plaisir. Te dis. C'est quoi ta cape, Yakipon? C'est une four backup, je crois. Attends, je regarde. Des feuilles? Oui, c'est des feuilles parce que c'est un four backup même. Tu te souviens des four basses, le monstre? Ah ouais. Bah voilà, c'est ça. J'ai un truc pour changer le design de mes capes, mais je trouve qu'elle est pas belle pour l'instant, donc. Pour moi? Ouais, et ma pèlerine colorivante, je la trouve laide, donc. Pour l'instant, je change pas. Oh, moi, je trouve bien. Mon toi, c'est des ailes moisies. Non, mais ton truc à toi. Ah, la fourba capa. Oh, la pèlerine. Quoi? Ton truc qui change d'aspect, là. Ma pèlerine. Oui, mais moi, je l'ai trouvé. Ouais, je sais pas, faudrait peut-être que je. Enfin, bah, faudrait que je lui file à bouffer, mais. Mais pour l'instant, j'ai pas les camas pour. Non, pas vrai. Enfin, je pourrais, mais je préfère. Nul ce masque, mais. Nul. C'est à quel niveau d'ailleurs qu'on change de. D'équipement? Ouais. Alors, Eric, c'est vers le... Qui est Eric? Moi, je connais que Eric. Oh. Entre le niveau 118 et 130. Ah oui, quand même. Eh bon, on n'y est pas demain. Guillaume, c'est entre 110 et 116. Putain. Moi, j'ai encore le fichier de mon milieu. Et Thomas, c'est au niveau 129. 129. 110 pour le bouclier d'ailleurs. Ah punaise. Viens, on va là-bas. Ta-ta-la-ta-ta. Ah, j'ai pas envie de jouer avec les raccourcis qu'est-ce ce que soir. Faire, oh là là. En fait, le truc qu'est-ce qu'il faut que je vais faire qu'il faut connaître avec les héliotropes, c'est tes lignes de vue. Ouais. Si tu connais pas tes lignes de vue, tu sais pas jouer. il peut pas passer à travers. Si si. Si là tu peux passer sur les trois à côté de Fiara et Jacques. Tu peux les utiliser si tu veux. En fait, t'as juste à marcher dessus et. Enfin, je sais plus trop comment ça fonctionne, mais. Tu peux les utiliser là, oui. Mais faut être en ligne de vue avec le portail. Enfin, c'est là, par exemple, Jacques, s'il veut taper une case grâce au portail, il peut toucher celle-là. Ok. Parce qu'elle est dans le bon angle de vue par rapport à lui et tout ça, quoi. C'est très particulier. Ah. Il y a un tofu qui me casse les couilles. Hein. Alors, il paraît que l'Upermage, c'est vraiment le bordel. Quoi. Si tu fais un sort, ça appose une rune au sol. Et en fonction de la rune, tes sorts, ils font d'autres dégâts et d'autres effets. Enfin, c'est le bullshit. Oui, si tu fais un sort feu puis un sort air, t'as pas les mêmes effets secondaires que si tu fais un sort air et un sort feu. Si je me mets sur sa case, je vais bouger, c'est ça? T'es pas obligé. T'es pas obligé de bouger, mais... C'est en gros, si tu vas sur le truc à côté de toi, là, tu peux aller... Voilà. Merde, mais... Bouge, ça va réactiver les portails. Wouah. Ah non, pas du tout. Ah non, là, il doit être heureux, là. Genre putain, il m'a bousillé mon tour.
Ah, si, ça s'active, bon, mais après. Si tu peux pas passer 20 fois par un portail, apparemment. Ouais. C'est une action par logique, personne par tour. Je suis un pigeon. Est-ce que tu peux pousser des gens dans les portails? Je pense que c'est possible. Fais libération. C'est génial. Thomas, il se mord tout seul. Thomas, il se fait des films. Je suis l'autofu qui va très loin. Ah merde, je l'ai foutu mon autofu doré devant. Désolé. Pardon. On a gagné. Ouais. Allez, on arrive au boss. Non, hein, le boss c'est premier. Non, c'est pas premier. Putain, mais je l'ai fait dernièrement, j'ai oublié. C'est nomade, je crois. Je crois qu'il y a et nomade. Je sais plus quoi. Ouais, il y a nomade dans le tas. Abracnide. C'est premier nomade, si c'était ça. J'avais bien raison, les premiers. Après, il a beaucoup de vie, là. Ancestral. Il a 3600 PV. Bah, comme l'araignée, en fait. Oui. Quête mise à jour, Munster, lève-le. Je sais pas quoi, parce que le chat encore, c'est de la merde. Oh, qu'il répare, ça, c'est insupportable. Quoi? Il manque une ligne. Yop qui répond oui. Mais hein? C'est pas ça qu'il fallait répondre. On fait quoi? On tente premier? Ouais. Premier et. Que nomade, y'en a qui vont se faire tacler, hein. Ouais, nomade, ça va être chaud. Moi, je peux, ça c'est sûr. Je suis intaclable. Bon, le problème, ça serait Jacques et. Bon, après, depuis tout à l'heure, Lélio, il joue de loin. Ouais, c'est vrai qu'il reste. Ouais, on va tenter premier, et puis on va essayer nomade. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Nomade, pour te rappeler, c'est utiliser tous ses points de mouvement. Ouais, donc bouger tout le temps. Et voilà. Premier, taper. Le labrachnide. Ancestral. Tuer le boss. Tu peux taper les autres, mais il faut tuer le boss en premier. Ouais. Ouais. Allez, go. C'est mardi. Nomade, facile. Oui, nomade, facile. Je suis d'accord. J'ai vécu pire. Cupir. Oui. C'est l'arbre blanc. Ouais, c'est l'arbre blanc avec tous les corbeaux dessus. Il va t'en envoyer plein dans le visage. C'est le vénérable. Non, l'ancestral. Oh, l'ancestral. Non, c'est ma vénérable, c'est Mario Futur. À chaque fois que le sort est disponible. Oh non, on fait pas Fossoyeur. Pourquoi? On fait jamais Fossoyeur de toute notre vie. Genre, jamais. Ce challenge n'existe pas. BM. TPM. Ah, j'ai cru qu'elle allait me bousiller ma ligne de vue. Tu peux mettre un bouclier, lui, ou pas? Non, c'est bon. Non. j'en veux pas de ta daube, merci. Tellement d'irrespect. Nomade. Ouais, ouais, mais je veux pas trop. Nomade. Le mec chiant. Nomade. Je veux pas trop pénaliser Jake. Il va sound. Nomade. Non, c'est Jake pour les amis. Qu'est-ce que tu fais, Jake? Eh ben, il a fait nomade. Oui. D'accord, mais... Eh ben... Tu peux le taper, là? Normalement, oui, il peut bluff. Hein. Il peut même rebluff. Et il peut faire rien d'autre. Ah ouais, mais 53% de résiste haut. Ah ouais... J'avais pas vu. Par contre, pour l'air, je vais me faire plaisir. Oh c'est la vache, elle attaque de pas loin, elle. C'est pas lui. Allez. Qui transforme en...
en abracadabra. En... Non, c'est le Shenmue, je crois, non. Non, le Shenmue, il aurait ça. J'ai jamais fait le Shenmue. Ah ouais? Il est trop chiant. Il est chiant. Ah, il est vraiment casse-couille, le Shenmue. Bon, mais je crois que notre petit Elio va avoir du boulot pour me soigner. TPM. Ouais, c'est bon, il a fait nomade. Regarde, il va me soigner. Mais quelle gentillesse! Il serait encore plus gentil si tu pouvais t'abonner. Hein. Ah! Tu vois, il m'a fait passer le portail. Il m'a dit, viens à moi. Et il m'a soigné. Mais ça t'a éloigné du... Ah non, pas forcément. Non, non, ça m'a éloigné de tout le bordel. Il a vraiment bien joué, là. Si je pourrais, je lui ferais un bisou. Ouais, mais c'est pas très Covid. C'est pas Covid, en effet. Je lui ferai un check. Il l'a chipé. Non, non. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai entendu, tu lui lècherais et puis ça a arrêté tellement ça l'a fait rire. T'es d'accord que là, si je suis pas taclé et que j'utilise des PA, je serai plus taclé après? Non, on peut pas te faire tacler. Non, mais là, j'ai tous mes PM. Oui. J'utilise mes PA. Je risque pas de me de faire tacler par la suite. Non, 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 c'est bon. Non, non, non. Ok. Oh, quel homme. Tout est PM. Jacques, n'oublie pas de faire tout tes PM. Ouais. Salut, vieille branche. Ça me va. PM. Bien joué. Ah là là, on est trop fort. Par contre, moi, je peux pas taper. Ah si, si, ma ligne de vue, elle est bonne, là. Mais oui. Non, casse-toi. C'est bon. Elle m'a tellement énervé. Alors... Faudrait que tu utilises tes PM. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. En plus, je viens d'en gagner, là, donc... Mais meurs. Bon, on a fait premier. Premier, c'est... Et nomade. Donc maintenant, là, c'est peu importe lesquels, hein. On ouais, pas c'est peu importe lesquels, mais faut faire tous ces PM. Sort d'où cet arachne son? Du fond de la map. Il était tout au fond, il a dit ciao. Il va taper dans le portail en dessous. Ça tape dans tous les portails? Bah dans le cheminement en fait. S'il tape dans oui, le 2, ça va dans le 1 qui va dans le 3. Okay. Non, oui, ça tape dans tous les portails parce que t'as. Je crois que t'as un buff de dégâts pour chaque portail emprunté. Quelque chose comme ça. Ah, ça c'était bien joué, Fioro. Je reconnais bien. À l'aide. Je reconnais bien celui qui joue à Dofus. Oh. Le fameux MMORPG. Bien joué. Tu es très fort. Je... Mais tu non, veux. Mais t'as deux PA. J'ai rien à 2 PA à part une maîtrise d'armes et masque. Et t'as pas flamiche? Non. Eh ben c'est bien dommage que tu n'aies pas flamiche. TPM. Aïe, aïe, il faut utiliser tes points de mouvement. Pourquoi t'es allé là? Libération. Ouais, fais l'IB s'il te plaît. Fais le Wi-Fi. Wi-Fi. Bouge. Oui. Encore. Voilà. Ok. Eh bien, on a encore eu de la chance. Est-ce que je peux mettre une araignée? Pourquoi bon. Faire? Je m'en vois pas l'utilité. Ah merde, moi je voulais que ça touche là-bas. Et non. Tes points de mouvement? Oui, t'inquiète, attends, j'ai pas fini le jeu. Parce que je vais en gagner là, tu vois, c'est le problème. Comment il marche? Zouz, zouz, zouz. On a un souci.
Le tronc Nid va nous emmerder. Ah ouais, t'inquiète. Ah, tu vas lui mettre un taclab. Tu vas lui mettre la fougue. La fougue de ses 20 ans. Ou alors, je l'attire vers moi. Grâce à... Hop. Ouais, ça fait 2 PA, c'est bien. Ouais, fait fou. C'est bien fou. Pareil que c'est fort. Tout est PM. Bravo. Mmh. Tout est PM. Alors tous. Mmh. Où le bouton de passe à son tour? Tous des PM. Tous les PM. Il te reste un PM, toi. Ah oui, c'est vrai, à cause du masque. Putain, heureusement qu'on est là. Ah oui, heureusement qu'on est là. N'oublie pas qu'il te faut utiliser tous tes PM. Je préfère le PT 20 fois parce que comme je suis, je vais rater au dernier tour, moi. Genre, au dernier tour, je vais faire regarder, je peux le tuer. Tu vois, regarde, Jacques, il a utilisé tous ses PM parce qu'il écoute. Ah ouais. Ouais, il est vraiment fort. Ouais, en plus, il va dégommer l'arachnotron parce qu'il a des faiblesses haut, tout en utilisant tous ses PM. Et ça, c'est quand même incroyable. Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Véreux. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, attends. Déjà, j'utilise et tous tu mes PM. Tu as entendu parler du challenge nomade. Ouais, il paraît que c'est pas mal. Utiliser tous tes PM. Ah putain, je vais pas le tuer. À tous les coups, je le tue pas. Attends. Mais grâce à lui, est-ce que j'ai fait tous les PM? Et est-ce qu'il va disparaître? Je sais pas s'il peut le tuer. Ah putain. En espérant que notre allié fasse tous les PM. Nomade. Les... Voilà. Écrit... Nomade. J'ai hésité à écrire utilise tous tes PM, mais... Mais pour les novices, PM, ça ne veut pas dire message privé ou private message. C'est MP dans ce jeu. Oui, mais ça veut dire quoi, du coup, pour les novices PM? Oh, bordel! C'est les points de mouvement, Jacques. Donc c'est une case de mouvement à chaque fois. C'est le petit losange vert sur l'écran. Oui, en effet. Il faut aller utiliser tous les PM. Par contre, ne sortez pas du donjon. On doit parler à Jean-Yves, là. L'XP. Ouais, pas mal d'XP qui est parti dans mon... C'est ça. Content, hein. Là, franchement, je vous déteste. On a fait deux donjons, on a fait des challenges partout. Valide pas les challenges, du coup, Eric, tu pouvais les garder, les laisser de côté. Tu as entièrement raison. Mais je l'ai fait quand même parce que je suis très bête. Oui, on le sait, mais quand même. Et oh, tu te calmes. Mais... Après, je vais recevoir des messages sur le chat. Et pourquoi t'as le cadeau? Pourquoi tu utilises pas le cadeau? Putain. Je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, ton stream, la qualité, c'est fortement dégradé. Quoi? Non. Oui, ça s'est dégradé parce qu'il a fait son coup final, là. C'est bon. C'est incroyable. Le coup final, à chaque fois, ça me fait planter l'ordi, mais un truc de dingue. C'est trop chiant. Menacé de plumer les volailles perchées sur les branches. Est-ce qu'on stream tous les jours Non, loin de là. Alors, non, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la vraie vie, un vrai métier. Pardon ? C'est moche de dire c'est ça. C'est quoi ça ? Non, on ne stream pas tous les jours parce que déjà on est quatre à être à quatre endroits différents. Pour se coordonner, c'est un peu compliqué, sachant qu'on a chacun nos responsabilités de nos côtés, malgré tout. Donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, quand on stream, on ne stream pas forcément du Dofus, on peut streamer d'autres choses à côté. En ce moment, c'est du Neon Abyss avec Yakipon. Et de temps en temps, il y a un peu de Minecraft Dungeons avec Yakipon, moi-même, et Radga et Draken, qui sont deux personnes encore de l'assaut. Voilà. Et par la suite, il y aura d'autres choses. Ouais. Donc là, on parle au Tronkni, on sort du donjon, une fois qu'on a tout validé. Une fois que t'as parlé à la mortine ancestrale. Oui. Du coup, retournez voir Hellmonster, c'est ça? Exactement. Quand tu sors du donjon, faut aller voir Hellmonster. Du coup, on n'a pas de bras glands ancestrales. Pardon?
T'as pas d'abraglan ancestral? Mais si, c'était une, un objet de quête. Attends, mais, tu me fais peur là. Si, c'est bon, je l'ai. Oh, tu m'énerves. Et on dit au revoir à Dorlas, au revoir Dorlas. Il est déjà parti. Ouais. Oui. Bon, on lui a fait son donjon, il s'en va. Hein. Ouais. Je peux comprendre. Il aurait pu s'abonner quand même. Non, il l'a pas fait parce que c'est un salopard. Non, pas d'insulte. Ce n'est pas dans nos valeurs. Pour sortir de ce lieu. Assis là-haut. Il faut qu'on aille à la clairière. On peut pas aller en haut, putain. Non, c'est trop chiant. Heureusement que ça agresse pas ici. Ça faisait longtemps, ça t'est. T'es. Ah, maintenant faut. Ok. J'en suis où dans mes métiers, moi, d'ailleurs? J'en sais rien. Ah oui! Il faut cliquer sur la statue au milieu de la clairière. Oh, c'est Sylvos. Mais c'est un dieu? Non, c'est un gardien de moi. Oh, c'est un protecteur de moi, merci. C'est le protecteur du mois de Flovor et c'est l'ami des arbres. Voilà. Oh, allez. Ah, j'ai eu le réflexe de bien me mute là, miam miam. Merci. Et on retourne voir Cornelia. Cornelia Grandpa. C'est bien parce que je peux pas utiliser le truc automatique de la dragonade là. Mais il m'affiche quand même le chemin, du coup je sais pas où il faut passer. Est-ce qu'il est moche, Sylvos? Bon, y'a pire. De Cornelia Grandpa. Jack est passé niveau 106. Bravo, il vous a dépassé. Bah oui, parce qu'il n'a pas enlevé sa limite, lui. Enfin, il a enlevé sa limite. Alors que moi, je respecte et tout. Bravo. Les délinquants. Mais grave, t'as vu ça? Maintenant, faut aller où? Une fois qu'on t'as a fini la quête. On va pouvoir retourner à Bonta, on a deux quêtes à valider. Bonta? Ouais, on a crise de nerfs à aller voir. Et ramener la braglan au colonel. On va à Bonta alors? Oui, oui. Bonta. Bon, je vais voir crise de nerfs. Il est où crise de nerfs? En bas de l'atelier des paysans. C'est la taverne du Chopin Bois, ça? Non, c'est ouais. L'atelier des paysans. Non, mais... Bon, bah, j'ai le plaisir... Ah non, même pas. Putain, chère. T'as le plaisir de nous annoncer rien du tout. J'ai le plaisir de leur faire une mauvaise surprise. Ouais, c'est ça. J'ai le plaisir de vous dire que, ah ben non, en fait, on a plein de choses à faire encore. Tel que le dragon cochon. Non, mais il faut parler à mayonnaise avant. Non. Personne n'a parlé de mayonnaise. J'ai pas compris pourquoi il fallait... Oh, c'est trop stylé ce qu'il a, lui. Une monture, c'était un... Une sorte de griffon. Oui, moi, je les trouve pas très beaux, les griffons.
J'ai pas compris. Enfin, ça dépend lesquels fallait... nanas, ils sont chelous en fait. J'ai pas compris pourquoi il fallait aller à l'atelier des paysans. Pour descendre voir Chris de Nerf. Faire quoi ? Pour valider la quête du donjon de la Bretagne ancestrale. Un juge hystérique. Et après, on peut aller dans la taverne de la Chope en bois pour valider l'abraglan ancestral. Pas fait dans ce sens. Et après, on peut aller voir Mayonnaise. Il y a quoi, l'atelier des paysans ? Oh putain ! J'ai envie de vous taper. Non mais vous dites trois choses en même temps, je comprends pas. C'est pas vrai. Viens en bas, suis-moi. Il faut aller voir Chris de Nerf. Il faut sortir de la ville tout en bas. Le PNJ. Le dragon cochon. Le dragon cochon, je l'ai fait une fois avec vous et j'avais chié le châle. Le dernier truc. En coup de grâce, je lui avais donné un coup de corps à corps et c'était mystique. Ça te ressemble bien, ça, tiens. J'ai fait. Et je là. Merde. Alors, on en est où chez tout le monde ? Moi, je suis niveau 100 dans tous mes métiers. Bravo. C'est déjà... Alors que Téféqué vient de passer niveau 118. Le mec, c'est un joli pseudo pour dire caca, quoi. Alors, est-ce que tout le monde a validé la quête Monster lève le mystère ? Oui. A validé la quête Vengeance par procuration ? Oui. Et a mis à jour la quête d'un juge hystérique ? Oui. Il y a comment on parle ? Oui, Guillaume, c'est bon ? Vulcania, c'est fermé ? Oui. Ou c'est encore ouvert ? Île de Moon ? Je vais répéter les trois parce que je suis sûr d'en avoir fait au moins deux là. Alors, quête terminée, Monster lève le mystère. Ah. Est-ce qu'elles sont classées par ordre de la. Fais une recherche directement. C'est Monster c'est ou bon, Monster hein. Monster. Oui, c'est fait. Quête terminée, vengeance par procuration. Ok. Les quêtes mises à jour, un juge hystérique. Ok. Chouette. Eh ben, tu peux reparler à Mayonnaise pour activer la quête, la lettre anonyme. C'est fait. Eh bien, tu peux aller voir Danator. On continue les quêtes anonymes ? Bah, on y est à côté et puis il nous reste à aller. 10 minutes. 10 minutes à peu près. Okay. Ah, j'avais pas l'horaire de fin. Oh, elle est chiante cette quête. Il va falloir faire des trucs qui collent et tout là. Ah, j'aime bien les trucs qui collent. Non, le problème c'est qu'il faut tuer 3 trucs qui collent, ça va. Mais après, faut tuer une tortue. Et il faut absolument dropper la cervelle parce que si on la droppe pas. Ceux qui la dropperont vont devoir très vite aller à Bonta parce que la cervelle périme au bout de 5 minutes. Ah oui, c'est vrai. Donc va falloir qu'on soit au taquet la prochaine fois. Enfin, on peut le faire maintenant, mais bon. Ça risque d'être un petit peu long. Parce qu'il faut d'abord faire les trucs. Tu peux le dropper plusieurs fois ou pas ? Pardon ? Tu peux le dropper plusieurs fois ou pas ? Non, la cervelle, il n'y en a qu'une. Par contre, les trucs qui collent, il faut en dropper 3. Et le problème, c'est que c'est dans la forêt de Moon, là, où il y a les gloutovores. Et les gloutovores, c'est chiant. Ah non, c'est pas encore ça, ça va. C'est le... C'est la poussière d'Oni. Ouais, je sais pas si c'est mieux, en fait. Rokavan.
Je dis n'importe quoi, c'est une quête après. Oh là, va falloir aller au lac enchanté. Bon, ça encore, je peux vous guider. Vous me dites quand vous êtes sur la lettre anonyme, récupérer de la bave de crapopo et amener 200 kamas et de la poussière d'Oni. Je vous guide. Ben, là, je suis à voir par Bakuraban. Là, je suis devant lui, mais il me demande de payer pour les prédictions. Non, pour les élections, demande-lui. Ah! Récupérer de la bave de crapaud. Ouais, il veut de la bave de crapaud. Ok, ben vous vous téléportez aux abbes de la montagne des Koalaks. Et vous montez jusqu'en moins 16, moins 7. T'as vu, je t'ai volé ton boulot, Louis, t'es deg. Ah oui. Je savais. On monte jusqu'à moins 16, moins 7. Je sais ce que je fais, je les ai fait hier, quoi. Je peux pas voyager jusqu'à cette position. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vide le cache. Ah oui, c'est vrai. Putain, il y a un lac en plein milieu. Ouais, faut faire le tour du lac. Tu peux pêcher des brochets. Tu peux. Des anguilles. Des perches. Ou des anguilles. Non, perche, je peux pas. Non plus, je peux pas. Sans vin. Et de la sauge, j'en veux. J'ai eu. Fais ton plaisir. Ah, il y a un marais là. Ben, c'est là le truc de quête. J'attendais le monsieur Jacques pour lui dire. Le voilà. On peut retourner à mon table ? Donc, sous mon personnage, il y a deux cailloux. Tu peux cliquer dessus, dans l'eau. Et maintenant, on peut se téléporter. Aux zaps du bord de la forêt maléfique. Et merde. Et ouais. Ah, mais faut une ressource pour aller dans le labyrinthe. C'est pas grave, il y a des mots de marchand devant. Ils sont là pour ça, les types, d'accord. Ah, bah attends, je vais pas aller dropper un scalp de je sais pas quoi ou un ongle de chevaucheur de carne. Oui, c'est un scalp maintenant. C'est ah putain, c'est un scalp. Putain, ça coûte cher. Et où à gauche, en haut, en bas? Alors, nous devons aller en moins de 14. 2000 km, le truc. En bas à gauche. Ouais. Et en moins de 14, vous avez un scalp de bois carché à acheter au mode marchand. Je vous conseille Solaster. Ouais, ça va, c'est pas cher. Un peu quand même, mais. Quand même, ouais. Ça va. Solaster, ils sont à 2000. Un seul? Et... Ouais. Oui. Et on parle à Lanceft de Troil. Et on demande à rentrer dans le labyrinthe. Et maintenant, on cherche un Oni. Mais on va se suivre. Pour éviter que ça soit le bordel. Donc là, ben, je vais te laisser la parole, Louis. On va à gauche. Ensuite, on va à gauche. On va à gauche. On descend. Je peux cueillir une orchidée effrayée. On va à gauche. À gauche en haut ou à gauche en bas? C'est pareil, c'est à gauche. Okay. On descend. En bas à gauche. À droite.
Putain, il n'y en a pas un seul, quoi. Ouais, c'est dingue. On monte. Ouais, j'en ai chié, moi aussi, de mon côté, quand je l'ai fait. On remonte. Que je... Guillaume arrive à suivre. Oui, il suit, il est derrière moi, tranquille. À droite. À droite. Et si vous foutez là les bois qui sont perdus ? Oui. Encore à droite. Allez, encore à droite, si. On monte. Non, c'est en haut. Gauche. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Un petit peu. À droite. À droite au-dessus. Mais ça. Ouais, y en a pas un seul, c'est bizarre ça. À droite. Tu fais le vrai chemin ou... Oui, c'est le vrai chemin. À droite. J'y suis allé complètement random, moi. Genre là-bas. En bas à droite. En bas à droite. Sans. On descend. Putain, il y a des coins et tout, mais... Y a pas un Oni, quoi. Pardon, j'ai pas entendu. On descend. Là, on va à gauche. Sans. Attends, on va faire tout le labyrinthe, il n'y en aura pas un seul, quoi. Gauche. Attends, on est tous là ? Oui. Ah, je voyais plus. Ok, à gauche. Tiens, les ribs, ils ont tellement évolué depuis 1.9. Ça, oui. À gauche. Il y a un mec qui vient dans l'autre sens, quoi. À droite, bah, ce sera nous tout à l'heure. En haut, putain, je dis. Oh, ah, parce qu'après, faut faire le chemin retour. On n'est pas obligé, on peut lancer un combat et l'abandonner. Parce qu'on peut pas y aller. Un coffre malveillant. Tu veux le faire ? C'est quoi ? S'il faut une carte pour ça. Non, t'as pas besoin de carte. Ah bon ? Oui. Tu veux le faire ? Mais on peut dropper au taquet, vas-y, on va le faire. On fait demi-tour, à droite, on descend. Bah non, on peut attendre là, non ? Peut-être, oui. Je sais plus. Moi non plus. À droite. Attendez, on descend, à droite. Vous venez ou pas ? Ouais, vas-y, te suive, moi je vais voir si ça fonctionne de faire la feignasse ou pas du tout. attends, Guillaume. Guillaume, où es-tu ? À droite. Si ça se trouve, c'est pour ça que le panda, il est allé de l'autre côté. Il a vu le coffre. Genre, vite. On remonte. Oh, sérieux, faut remonter tout là-haut. À droite. Ah, il y a un cra. Putain. Hé ! Quoi ? On descend ? What ? Mais quoi ? Quoi ? Quoi, pour aller en haut, il faut aller en bas ? Attends, c'est à gauche ou à droite ? Attends, je vais tester à droite. T'as resté là ? Je me souviens plus. Ouais, venez en bas à droite. Et descendez encore. Mais genre, le chemin du coffre, tu le connais aussi par cœur ? Ouais, quasiment. Mais t'es un taré. Faut que t'arrêtes de jouer là... à ce jeu. Attendez, je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Je vais tester là.
plus, il sait plus. Il fait genre, il sait plus. Alors venez à gauche, on va tester. What the fuck, y'a rien. Là, non. Pourquoi je peux pas bouger? Ah putain. Je veux pas balancer, mais il va sans doute sur le stream a écrit si toi aussi tu comprends rien, abonne-toi. En gros, on est dans cette forêt parce qu'il y a un monstre qu'on a besoin pour notre quête. Remonter et aller en bas à droite. Alors, remonter et aller en bas à droite. Et sauf que là, on fait le chemin pour que vous ayez le coffre qui permet de dropper. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut que tu descendes de 4 cases en diagonale, en bas à gauche. Vas-y, Guillaume, descends encore, descends d'une case, voilà. Alors maintenant... Non mais sérieux, faut coder un page 3D là. Voilà. Va, descends, voilà. Guillaume, descends à gauche. À gauche. Voilà. Ensuite, je crois que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Voilà. What? Je vois ton truc qui vole. Monte, Guillaume, monte. J'aimerais bien. Clique à côté du squelette, au-dessus de toi, au-dessus de la tête de ton volcan. Entre l'épée et le... Voilà. Je suis content de pas avoir ça. Et là, c'est pour que j'aurai pas droit au coffre. Et alors là, il faut... Voilà. Non, merde. Attendez. C'est pas par là. Dites-vous après qu'il va falloir refaire tout ça dans le sens inverse. Un vrai sac, ça fonctionne pas? Non. Non. Et vive la forêt maléfique, on adore. Personne ne rappelle? Non plus. C'est où? Ah mais en stream, toi, tu vois pas le chemin qu'on fait? Non. C'est pas très grave. J'allais dire clip, mais en fait non, pas du tout. Je peux faire un clip, hein, mais ça sera que de l'audio. Hein. Vas-y, des clips. Ça devient un podcast, là. C'est pas grave. Bon, purée, on est vraiment obligé. Je fais plus la case. Ouais, le mec, il connaît même pas le jeu par cœur. Ben merci. Je vais une fois tous les 10 ans ici. Ouais. Tu viens de dire que la première semaine où t'as joué à Dofus, t'es allé là. Voilà. Alors, Donc, faut que vous remontiez en haut de l'œil. Quoi? Il faut que là, vous êtes sur l'œil gauche. Là, vous êtes sur l'œil gauche. Ah, moi, ah, d'accord, c'est un visage. Ok, oui. Il avait même quoi capté. Bah, moi non plus, j'avais pas capté. Hein. En haut de l'œil gauche. Donc, ouais, il faut faire quoi? Mais où? Tout en haut de l'œil gauche. Sous le sourcil, t'as une case. Et faut aller où en fait? Ouais. À la bouche. Thomas, t'es remonté, c'est ça? Je suis à la bouche là, faut aller où? C'est une case en plein milieu de la bouche en fait. Ok. Voilà. C'était pas ça où il fallait que je fasse. T'es où, Guillaume? Bah, j'ai monté en haut du sourcil, mais ça devait pas être ça. Et t'es téléporté en haut de la map? Bah, d'une case, enfin d'une map. Il faut que tu ailles en bas à droite. T'es encore sur la map du visage? Non. Oui. Est-ce que tu peux monter sur la map du dessus? Bah là, juste. Je reviens sur mes pas là. Oui, mais non, il faut pas qu'il remonte. Si tu vas à la map sur du dessus, t'arrives en bas à gauche et il faut que tu ailles en bas à droite. Même à écouter, sur la map du visage, de nouveau. T'es à gauche ou à droite? T'es en haut à gauche, t'es en haut à droite, pardon? À droite. Voilà, okay. Donc, on peut reclique sur la case en bas. Tu sais, c'était une diagonale de 4 vers la gauche. Oui. Putain, c'est bon, t'es au niveau du l'œil droit, là. Voilà, là, tu descends d'une map, je crois, sur la gauche. Et t'es téléporté au niveau de la bouche. Ouais.
Maintenant que t'es à la bouche, alors, au milieu de la bouche, t'as une. Il faut cliquer sur une case qui est au milieu de la bouche. Il y a le squelette en plein milieu, quoi. Attends qu'il bouge, peut-être. Mais va vers lui, tu dis bonjour. Tu ne peux pas. Ben, comment on fait pour repasser en créature ? Une théorie. Comment on fait pour repasser en créature ? Là, tu peux pas. Il faut qu'il y ait au taquet de monstres sur ta carte. Ah, c'est attendez, bon. Attendez. C'est bon, t'es là, t'es avec nous. Ah, alors, ok. Voilà, vous montez de deux cases. Et on y est. Bravo! Eh ben! Allez, et maintenant on va voir si j'ai bien fait d'attendre ou pas. Yes! J'ai rien branlé et j'ai droit à mon coffre. J'aime ce jeu. Et là, il va nous one-shot. Non. Il y a combien de PV? 12 000. Désinstalle. T'aurais dû rester avec moi, hein. Bon, on n'était pas sûr d'avoir le ça cadeau. Ça valait hein. Le coup. Tout ça pour ça. Oh, c'était de la merde. Ça a rien fait. Ah. Au moins, vous pouvez rejoindre. C'est bien. Bon, on cherchait Anony à la base. Hein. Oui, il faut aller à gauche. On cherche Anony. Oh, putain. Mais il n'y en a pas un seul. J'ai pas fouillé, tu vas me dire. Je suis con, moi, j'aurais dû. En attendant. J'étais tellement... happé par vos conneries. On monte. Les Oni, c'est les trucs avec des capes, là. Ouais, c'est les capes violettes, là. Avec le gros œil. À gauche. En haut, il y a le Dark Vlad. Bon, on va pas aller voir le Dark Vlad. Bah là, faut fouiller, quoi. Faut fouiller dans les maps alentours. Oh, putain. Oh, on se sépare pas, en fait. Parce que ça va être le bordel pour... Mais c'est ça qui est marrant. Pour se rejoindre. Chauffeur, c'est tout, oui. Je sais pas où je vais, hein, Jake, me suis pas forcément. Déambule. Y'a pas un seul Oni, genre vraiment, y'en a pas. Ah, c'est vrai, hein. Y'en a que ici ? Oui. Oui. Salut. J'ai un orme. Un bois d'orme. On n'est pas seul. Ah, parce que j'ai pas envie d'être sur une map et d'essayer de le faire pop, quoi. J'en ai marre de vider les maps. C'est long. Damned, c'est un labyrinthe. Ouais, ben... Là, c'est un peu con. C'est quoi déjà la touche pour voir les ennemis ? Je sais pas. Oui ? Ça dépend, moi c'est la touche N, après tu peux la prendre. Non, c'est marqué là. Putain, j'ai pas pu monter. Ah ben bravo, je suis perdu. Eh ben voilà, non c'est pas. Enfin pas encore. C'est pas T ? Non. Je crois que c'est Z, non ? C'est pas ça ? Z ? Non. Un mec en mode marchand dans une impasse. Il a du rush kit, tu veux dire. Je sais pas comment il est arrivé ici. Peut-être passer par au-dessus. Où ça ? Tout ce bois.
C'était pour participer. Oh, il y en a là. C'est vrai? Moins 8, 20. J'y suis passé. Moins 8, 20. J'y suis passé, je l'ai même pas. Comment je vais en moins 8, 20, moi? Oh putain, j'ai un peu vu. Bon. Courage pour arriver en moins 8, 20. Ok, je viens de voir une araignée faire un truc très chelou, mais... Guillaume, tu sais où t'es ? En moins 8, 18. Ah, t'es pas loin. Ah, j'arrive en moins 8, 19. J'arrive pas à descendre. Faut que je passe par en haut, c'est ça ? Ouais. Moins 8, 19, tu peux descendre. Ah putain, c'était l'autre sens. Non, je pouvais pas. C'est, j'étais dans l'autre... J'étais dans l'impasse, moi aussi. Ah, ouais. Ah, et je pense que si je continue de monter, ça va être l'impasse aussi. Mais... Ah si, vas-y, continue Guillaume, monte. Monte, puis à gauche, et après on peut redescendre, c'est bon. Enfin, j'espère. Au final, c'est pas trop le labyrinthe, si on arrive à très vite sans défaire. Par contre, on va arrêter là, tu... Enfin, on va faire l'ONI et après on... Genre, c'est bon, on est devant, on arrête. Comme dirait Yvassan dans le chat, désinstalle. Il arrive, hein, il était derrière moi. Bon, l'ONI a une faiblesse aléatoire dans un élément, j'espère que ce ne sera pas l'élément neutre. On va le pousser à mort. Oula, je veux pas être là-dedans, merci. Il soigne ? Non. Oh, je vais faire un beau jeu de mots. Et c'est... Ah ben, Guillaume, va taper l'ONI, s'il te plaît. Il est où ? Tout en derrière haut, en violet. Alors, tout en haut. Je soigne pas, sinon l'ONI guérit. Oh putain. D'accord. Celle-là, elle était pas écrite. Hein. Elle était trop bien. Oui, elle était mignonne. Elle était cherchée. Elle était cherchée. Ah, qu'est-ce que je fais ici ? Qui cuit ? J'aime beaucoup les coins juste pour ça. On tape l'ONI en... Vas-y, va. Toi, tu peux taper l'ONI. Nous, on peut pas. Il craint l'eau, donc vas-y, fais-toi plaisir. Les ogres sont parfois poètes. Rien à foutre. Merci. La cuisine. Tu veux vraiment mon poids dans ta gueule? Eh ben c'est comme ça, rester dans Game Shot. Ah putain. Nalbuck, pour ceux qui comprennent pas. Super! Il va sans, il nous fait les sous-titres. Il est super sympa. Allez. Tapez où ? On passe. Je peux le taper ? Vas-y. On n'aura même pas vu sa tête. Si, tu attends, t'as juste à le survoler et tu le vois en bas, genre. Attire-le, toi. Ah, non. Waouh. Moins 3. À peau, au moins, ça tape haut, tu vois. Pas à peau avec ce masque. Eh, hey, 2-3, il passe à 16, c'est bien. Oh, Picada. Oh, il a tué l'ONI. Et moi, il va me vomir dessus, l'autre. C'est le meilleur. C'est une frappe gerbante. C'est ça. C'est la frappe gerbante. Mais tu n'arriveras pas à le toucher. Mais passez votre tour, qu'on finisse ce stream. Mais c'est pas possible! Mais bordel! Mon chien, vers vous! C'est toute une ménagerie, quoi!
Échec critique. Ça existe plus, c'est bon. Bon, on a tous notre poussière, c'est bien. On peut lancer un combat, abandonner et se barrer d'ici. Genre, hé, non, c'est mon œil. Mais putain. Allez, moi j'abandonne de suite, là, genre, abandonner. Il bouffe, au revoir. Ah. On peut aller à Bonta, valider à Paco Rabanne et on arrête. Trop nul, lui. On a perdu contre Neil. Quand j'ai respawn à Brakmar, moi. À Brakmar? Qu'est-ce que tu fous là-bas? J'ai changé de... Il veut devenir Brakmarien. Atelier des... couturiers. D'ailleurs. Bon, jamais rien contre tout le monde. Allez. On demande une prédiction sur les élections. Et on peut retourner voir Danator. Et normalement, on a fini. Donc, atelier des joailliers, hein, des bijoutiers, tout ça. Amener à Danator une prédiction. Atelier des bijoutiers. Des bijoux. Puis on va voir Danator. Et on arrête. Parce qu'après, il faut aller voir des gens et tout. Donc... Enfin, la quête est finie, mais on commence une autre de suite. Donc je vais sortir. J'attends que tout le monde en soit à Tabitha Fleury. Ou spoiler alert, on va parler avec un écureuil. Tabitha Fleury. Oui. Eh ben apparemment, on est tous au même point. T'aurais appris un niveau. Bien joué. Non. Ah bon, je pensais. Bon, mais sur ce, merci de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à nous suivre sur tout ce qui est réseau social, donc Facebook, Twitter. Venez sur Discord, on balance beaucoup de choses, surtout quand Mystix il est présent. On peut vous dire qu'on stream, donc c'est chouette. Et puis, à la prochaine. Mot de la fin. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ça. J'ai peur. Vas-y, Thomas. Non, moi j'ai déjà dit la dernière fois. Ah bon ? Non, allez Louis. Encore ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Un mot de la fin. Fin. Très bien. Début. En deux briques. On joue pas mot de passe ? Si, tu peux le faire quand même en deux briques. Bon allez, sur ce, la bise tout le monde, ciao. Au revoir. Au revoir.